Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo ne va pas être une vidéo comme vous avez l'habitude de les voir sur ma chaîne. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une vidéo un peu, qu'on va dire, droit de réponse. Pour ceux qui me suivent et qui sont assez présents sur la sphère YouTube, vous savez que j'ai été hospitalisée du 28 décembre à ce vendredi, puisqu'on m'a laissé sortir vendredi soir comment on appelle ça? En permis de sortie, on va dire. Permis de sortie pour que je puisse passer mon IRM dans la meilleure situation possible, puisque d'être à l'hôpital sans ma famille. Et d'autant plus avec ce qui m'était tombé dessus pendant les fêtes de Noël, l'acharnement dont deux youtubeuses ont fait preuve. Donc je vais les nommer tout de suite, puisque ce qu'on me reproche, c'est de ne pas nommer, manifestement, alors qu'elles ne faisaient pas partie de choses au départ. Audrey Mogg et Camille Coloriage. Pendant que j'étais à l'hôpital, se sont acharnés sur moi pour une raison. Je ne sais même pas quoi dire sur cette raison parce que, voilà, je ne vais mêler aucune autre personne dans cette vidéo. C'est-à-dire que tous les gens qui n'ont rien à voir dans cette affaire, que ces personnes croient concernées ou non, je m'en fous. Là, ça me regarde moi, parce que c'est à moi qu'on a fait du mal. C'est à ma santé qu'on a fait du mal. Parce que ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui fait de l'art-thérapie pour se sentir bien, pour aller bien, et qui savent que ben, quand on a des pathologies, des maladies, ben, le moral, ça fait tout. Et quand vous êtes hospitalisé et que vous vous trouvez lynché, cloué au pilori sur la place publique, sans preuve, sans fondement, bah ça fait mal. Je travaille dans le droit et j'aime cette phrase qui dit que jusqu'à preuve du contraire, on est présumé innocent. Manifestement, depuis le début, je suis condamnée coupable par ces deux personnes pour des choses qui ne les concernaient absolument pas. Donc j'ai décidé de tout dévoiler puisque l'histoire remonte à exactement 17 février 2021. Ça a commencé tout simplement par une de mes vidéos dans laquelle j'avais fait en fait une vidéo parce que j'avais deux colocopines. Donc je les ai nommées dans cette vidéo hein, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne parce que moi je n'ai rien caché et je n'ai absolument pas enlever quoi que ce soit, puisque c'est pas mon truc de cacher tout ce que j'ai dit. Je l'ai pensé, et comme je vous disais, que ce soit Audrey ou Camille, personne ne faisait partie de cette. Elles se sont senties, enfin, Audrey s'est sentie concernée, bah, bien, bien lui fasse, mais moi, elle ne faisait pas partie de cette chose-là. Donc, puisqu'elle a voulu revenir en me clouant au pilori, en me faisant passer pour quelqu'un que je ne suis pas, je suis obligée aujourd'hui de rétablir la vérité et de réexpliquer la genèse de la chose. Parce qu'à un moment donné, ça fait 10 mois que je ne dis rien, que je garde pour moi, qu'il se passe des choses, que voilà, je dis rien, si ce n'est qu'à quelques personnes en privé parce que, ben, moi, je suis comme ça, je vais pas bien, je suis obligée de le confier. Ou des gens qui me disent qu'elles ont eu des soucis avec telle ou telle personne. Je confie moi ce qui m'est arrivé, ça peut m'arriver. Après, je ne suis pas responsable de comment c'est arrivé différemment ou retransformé. Ça, moi, j'y suis pour rien. Je n'ai jamais menti à personne, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Je ne sais pas mentir. Donc, moi, si on me pose une question, je dis la vérité. Voilà. Point barre. Donc, cette fameuse vidéo, alors je tiens quand même à dire à ceux qui n'ont pas envie de rentrer dans cette histoire, je vous comprends, parce que franchement, moi, ça fait 10 mois que ça dure, j'en ai ras-le-bol,
Donc, vous pouvez passer cette vidéo. Ça ne sera pas une vidéo colo où on rigole avec Virginie parce que c'est une vidéo où je vais tout vous expliquer. Comme ça, j'espère qu'en sortant de cette vidéo, pour la énième fois que je le demande, j'en entendrai plus parler. Donc, cette vidéo qui pose problème depuis le début, c'est une vidéo dans laquelle j'étais à la maison, j'avais vu une vidéo de Nono. Et ensuite, Clio Colo avait fait un live improvisé. La première vidéo, Nono disait qu'elle avait envie de clore sa chaîne. Vous voyez, il y a déjà 10 mois, elle avait envie. Et là, ça y est, elle l'a mis en pause. Donc, comme quoi, ça a mûri depuis 10 mois et la pauvre n'arrivait plus à gérer sa chaîne, sentimentalement parlant. Je pense que, voilà, elle avait besoin de prendre du recul. Ça me fait mal au cœur, mais j'accepte sa décision. Et dans l'autre vidéo, Lucille, c'était un live, donc je ne sais pas si c'est toujours en ligne, mais elle disait se sentir seule, se sentir exclue, qu'il y avait des bandes, qu'il y avait des clans, etc. Et moi, dans la mienne, je lui disais, enfin, je disais que, il fallait pas se rendre malade pour le nombre d'abonnés. Donc ça s'adressait à Nono, puisque Nono se sentait mal parce qu'elle voyait sa chaîne qui ne montait pas. Qu'il fallait pas se sentir mal, que c'était pas grave, qu'il y avait des choses plus graves dans la vie, que le peu d'abonnés qu'elle avait, si elle les rendait heureux, c'était le principal. Ça, c'était pour Nono. Et concernant Lucille, je lui disais que quand bien même il y avait des clans qui s'étaient formés, moi, j'étais un petit peu en dehors de tout ça parce que moi, j'ai toujours été comme ça, que ce soit dans mon boulot, quand on allait en formation à l'étranger ou autre, je me mélangeais à tous les groupes. Moi, j'aime bien, je suis un peu. Moi, je parle à beaucoup de monde, j'aime bien partager parce que chaque personne peut nous apporter quelque chose de différent. Et donc, je vais partout, petite chaîne, grande chaîne, je partage, je partage, je partage, c'est moi, je suis comme ça. Et donc, je disais qu'il y avait peut-être une bande qui s'était formée, j'en sais rien, mais que ce n'était pas grave. Et que quand bien même il y avait des bandes qui se formaient, ça n'empêchait pas aux électrons libres qui passaient de bande en bande de créer, eux, un truc, une bande, etc. Et enfin, est-ce qu'on a besoin d'être en bande pour se sentir bien? C'était ça le but de la vidéo. Je parlais aussi parce que quand j'ai débuté le colo, eh bien, j'étais amie, enfin, j'ai commencé à avoir des amis qui étaient dans le colo depuis quand même pas mal de temps. Et beaucoup de monde m'avait mis en garde sur le fait que moi, j'arrive là comme dans un monde de bisounours où tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, etc. Et on m'avait dit, fais attention, tu vas te brûler les ailes parce que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout le monde passe pour les gentils, mais en fait, il n'y a pas des gentils forcément sur. Sur YouTube, bien au contraire. Donc fais attention. Et moi, je suis un peu loin de tout ça parce que comme je ne sais pas être méchante, en tout cas volontairement, parfois je peux faire blesser des gens et puis je ne l'ai pas fait exprès. Et dans ce cas-là, dès que je m'en aperçois, bien entendu, je vais expliquer pourquoi j'ai fait la chose parce que il est hors de question de faire du mal aux gens gratuitement. C'est pas du tout. Je déteste ça, c'est pas moi, c'est pas. Voilà, je ne fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc voilà, le principal, ma principale vision des choses. Et du coup, parce que là je suis perdue, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Et du coup, quand j'ai fait cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui me sont revenues de ce qu'on m'avait dit avant. Parce que. J'ai fait un amalgame de tout ce que j'avais entendu. On m'avait dit de me méfier des gens. On m'avait dit, attention, tu as des gens, en fait, ils viennent, tu penses que tu peux te confier, et puis, bah, en fait, non. Tu penses que tu peux dire des choses, mais en fait, non. Ils font sourire devant, et puis derrière, bah, ils vont te tailler en disant qu'ils n'ont pas apprécié. Une fois, je m'étais retrouvée en live, sur Insta, avec d'ailleurs la personne en question, Audrey, qui elle-même me disait, oui, il faut se méfier alors moi, je retombais des nues, c'était un live, je sais plus, on était plusieurs, alors je pourrais pas nommer tous les gens qui étaient là, mais en tout cas, Audrey était là, c'était un live Insta.
C'est pas elle qui le faisait. De mémoire, c'était Clanadia avant qu'elle ait sa chaîne YouTube. Donc, on était sur ce live et effectivement, ça a démarché sur la méchanceté sur YouTube et autres réseaux. Et on m'a dit, encore une fois, méfie-toi, etc. Donc, tout ça. J'avais eu des discussions aussi avec différentes youtubeuses un peu plus anciennes, notamment Mélissa, qui m'expliquait, puisqu'elle avait un peu plus de bouteilles que moi, que oui, effectivement, il y avait eu des choses sur YouTube, donc il y avait des noms qui étaient ressortis, des chaînes qui ont fermé, donc dont je ne me souviens pas. Je me souvenais pas en tout cas des noms au début quand j'ai fait ma vidéo et je ne partais pas dans le sens de dire je vais donner des noms puisque je faisais une vidéo générale sur des constatations YouTube pour remonter le moral de deux personnes qui se sentaient seules dans le colo. Voilà, tout simplement. La première vidéo, c'est ça. Ok. De cette première vidéo, je voulais que les gens se sentent bien. Et puis, me connaissant avec mes blagues à 2 balles, comme on n'arrêtait pas de me dire que les gens prenaient facilement mal les choses et se retournaient contre vous, j'avais peur que ça m'arrive en fait parce que je me connais, hein, moi je suis un vrai boulet donc je fais des blagues, des fois elles sont plus grandes que moi, hein, en même temps, s'il n'y a pas de difficile, je suis 1,52 m. Et donc, je me suis dit, oh là là, ça va me tomber sur la gueule un jour de vouloir faire une blague et que ça tombe à côté. Et que... Donc, en fait, cette vidéo avait but de ça. Voilà. De cette vidéo, j'ai eu 47 messages bienveillants, mais vraiment bienveillants, où les gens ont compris ma démarche. J'ai eu beaucoup de gens qui me disaient aussi que d'avoir une chaîne ou de ne pas avoir de chaîne, ils se sentaient seuls dans la sphère, dans la colosphère. Donc, je me suis dit, bah tiens, cette vidéo, je ne l'ai pas faite pour rien. Au moins, il y a des gens, ça va les rassurer. Et parmi ces messages bienveillants, j'ai eu un message assez agressif d'Audrey qui me disait, des méchantes personnes qui prennent mal les choses sur un live, ok, avant de parler, il faudrait peut-être avoir toutes les versions. Je m'en suis pris plein la tronche, c'était la goutte d'eau. On s'est expliqué en privé avec la personne concernée. Et je ne vois pas pourquoi tu viens déblatérer des absurdités qui ne te concernent en aucun cas. Donc là, déjà, je tombe des nues parce que je ne sais même pas de quoi elle parle. Me faire passer pour la méchante, c'est vraiment retourner la situation, en fait. Je ne lance de pique à personne et c'est très facile de se cacher sous le ton de l'humour pour dire des trucs blessants. Ne viens plus mettre de messages de soutien hypocrite sous mes posts. Donc, à savoir que à chaque fois que j'ai mis un message, c'est que je le pensais, sinon je ne mets pas de message. Je ne vais pas aller me faire chier à regarder une vidéo. Et à mettre un message juste pour mettre un message. Si ça ne me plaît pas, je mets rien, je mets pas de pouce, je mets rien et je passe mon chemin. Ça ne sert à rien car le cœur n'y est pas. Je traverse une situation très compliquée en ce moment. Je regarde des vidéos YouTube pour me changer les idées et je tombe sur la tienne. En effet, ça m'a changé les idées, mais pas dans le bon sens comme je le pensais. Donc oui, tu as perdu une abonnée, c'est clair. Je ne vais pas rester abonnée à toi, ni te faire de la pub, ni parler de toi en aucune façon que ce soit, si c'est pour me faire insulter en vidéo. Donc là, je me dis, mais de quoi me parle-t-elle? Parce que je n'ai insulté personne en vidéo. Bien au contraire, c'était une vidéo de bienveillance. Dire que des chaînes montent plus vite que d'autres, car elles ont des copines qui ont beaucoup d'abonnés, c'est vraiment irrespectueux et c'est faux en fait. Donc oui, je disais à Nono dans ma vidéo qu'il fallait pas s'inquiéter au nombre d'abonnés parce que il est vrai. Et ça, j'ai pu le constater moi-même. Donc il y a des mois. J'étais pas encore connue, donc on parlait pas forcément de moi dans les vidéos, mais depuis peu, à chaque fois que Simone Collin notamment parle de moi, bah, j'ai 10 abonnés qui tombent. Donc oui, quand on a des chaînes à grand nombre, on a des retombées des autres. Et c'est mathématique en fait. C'est dévaloriser leur travail que de dire une chose pareille. Alors. Oui, bien sûr, quand on arrive en moins d'un an ou autre à avoir énormément d'abonnés, forcément, il y a aussi des chaînes qui montent, pas seulement parce qu'on a parlé d'elles, mais parce que bah, elles sont douées. Elles sont douées de montrer des choses, de nous apprendre des choses. Et franchement, je suis trop contente pour elles. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit.
Mais le fait de se faire entendre parler de soi, ça fait augmenter les abonnés. Sinon, pourquoi certaines personnes parleraient des chaînes en disant, allez-y, faites-les connaître. Enfin, voilà, c'est bah, sinon laissez-vous, ne parlez pas des autres et puis laissez tomber, quoi. Mais bien sûr que de faire entendre parler de soi, ça fait augmenter des abonnés. Bref, tu te rends compte en gros que ce que tu es en train de dire, c'est qu'elle. Tac-tac-tac-tac, attendez que je reprenne. Tu es en train de dire, parce que comme j'avais coupé les trucs. Alors, je reprends. Dire que des chaînes montent plus vite que d'autres car elles ont des copines qui ont beaucoup d'abonnés, c'est vraiment irrespectueux et c'est faux en fait. C'est dévaloriser leur travail que de dire une chose pareille. Tu te rends compte en gros que ce que tu es en train de dire, c'est qu'elles ne méritent pas leurs abonnés. Je n'ai jamais dit ça. Jamais, jamais, jamais. D'accord? Vous pouvez regarder la vidéo, hein. Elle date du 17 février. Vous la regardez et vous voyez ce que vous en pensez. Je n'ai jamais dit ça. Mais les gens s'abonnent en fait s'ils veulent, avec plein de points d'exclamation. Tu es bien copine avec, donc je ne dirai pas de nom puisque j'ai dit que je ne voulais pas que d'autres personnes soient mêlées à cette histoire. Là, ça concerne Audrey, Camille et moi. Ok? Qui a beaucoup d'abonnés, elle parle de toi aussi, donc pose-toi bien les bonnes questions. Tu as fait ta chaîne, pourquoi en fait? Pour avoir un max d'abonnés et faire la course aux vues et aux likes, ou bien pour partager ta passion dans la bienveillance? J'ai toujours dit que moi j'avais fait ma chaîne pour me sentir bien et faire du bien aux autres, pour parler de ma pathologie et d'aider les autres. Je n'ai jamais fait la course aux likes, je n'ai jamais fait la course à quoi que ce soit. Je comprends même pas cette phrase. Je vais te dire une chose. Les gens ressentent ce genre de choses. Alors oui, tu as quelques abonnés. On me rappelle hein, que je suis une petite chaîne. Et tant mieux pour toi. Mais ça ne va pas te compa mais ne va pas te comparer aux autres en leur disant qu'ils ont de la chance quand leur nombre d'abonnés augmente. Alors, pourquoi elle dit ça? Tout simplement parce que quand des chaînes YouTube atteignent les 1000 abonnés, les 2000 abonnés, les 3000 abonnés, les 4000 abonnés, les 5000 abonnés font des concours. J'ai toujours un petit mot d'encouragement en disant waouh, super! Alors, comme je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, je n'aime pas faire le même message pour tout le monde. Donc, je vais faire un message du type oh, bien joué! Oh, t'as de la chance! Ah, oh, c'est cool! Oh, bravo! Je fais différents messages parce que j'aime bien être différente pour tout le monde. Je ne vais pas faire du copier-coller. C'est pas moi. Moi, j'aime bien que le message de la personne essaie d'être différent. Non, ce n'est pas de la chance, mais du travail. Proposer des vidéos de qualité avec une image et un son correct. Donc là, on m'attaque personnellement sur mes vidéos, puisque, rappelez-vous, bon, c'est toujours pas idéal, hein, mais mes premières vidéos, j'avais le son pourri, les images, elles bougeaient, je vous ai fait vomir un nombre incalculable de fois. Mais bon. Comme je vous ai déjà expliqué, je fais avec un téléphone, je fais avec ce que je peux. La seule fois où j'ai voulu faire avec une caméra, bah, il a fallu que je pose une voix off dessus parce que je n'avais pas allumé le son. Oui, je suis une quiche. Moi, je ne suis pas née avec un ordinateur dans les mains. Je suis plus vieille que certaines. Nous, à la maison, on n'a pas un matos de ouf. Voilà. Moi, j'ai 3 enfants et mes enfants passent avant tout le reste. Donc, bah, je fais avec le matos que j'ai. Je n'ai pas besoin d'avoir double ordi, double ci, double ça. Moi, du moment que mes enfants ont, eux, leur double ordi, ont, eux, leur... voilà, tout passe d'abord pour mes enfants et moi après. Donc, pareil pour mes crayons. Quand j'achète mes crayons, c'est que mes enfants ont déjà eu d'abord tout ce qu'ils voulaient. C'est le principal. Le reste, c'est après. Ça prend du temps et ça demande du travail. Donc, en l'occurrence, moi, quand je vous fais une vidéo, bien sûr, je la travaille pas. Hein, pas dire, hein, je suis une merde en vidéo YouTube. Hein, c'est exactement poliment dit ça. Alors oui, je suis triste qu'il y ait des personnes qui se sont exclues de la sphère YouTube ou mises de côté. Je ne sais pas si elle est triste parce que si on raconte l'histoire depuis le début, Camille et elle ont fait des choses exprès pour laisser les gens de côté. Et elles l'ont avoué. Elles me l'ont avoué lors d'une discussion parce que cette histoire de 10 mois dure depuis longtemps, mais il y a eu des discussions, il y a eu des tours de table, etc. Et là, aujourd'hui, je suis là pour dire toute la vérité, donc je vais vous la dire.
Oui, elles sont pas du tout tristes qu'il y ait des personnes exclues parce qu'elles l'ont fait exprès. C'est vraiment triste. J'ai proposé que chacun fasse de la pub pour leur chaîne. Ou compte Insta durant mon live de samedi. Ouh, dernier justement. Ce ressenti global du moment me peine énormément. Voilà. Donc c'est faux. C'est faux. Je vous dirai plus tard pourquoi c'est faux. Mais voilà le message que j'ai reçu. Donc suite à ce message, j'ai essayé de discuter par message en lui expliquant que je ne vois pas pourquoi elle était venue me dire tout ça, puisque ma vidéo concernait Nono et Clio Colo et des généralités YouTube, et je ne vois pas pourquoi elle se sentait visée. Je n'avais rien compris au départ. Donc ça c'était le 17 février, ça m'a peinée, j'ai beaucoup pleuré par rapport à ça. Vous vous doutez bien, j'ai eu ce message-là, mais j'ai eu 47 messages qui me disaient que j'avais raison. Donc, c'est ballot, hein, parce que 47 messages qui me disaient que j'avais raison, j'aurais dû me dire, bon, bah, au moins ces 47 personnes-là, me donnent raison, mais c'est toujours ça, c'est toujours le négatif qui l'emporte, hein. Surtout quand vous avez une pathologie, de burn-out qui vous fait mal. Donc, à ça, j'ai répondu et je dois avouer effectivement que sur cette vidéo, qui est à la fin d'un tag que j'avais fait, je me suis attaquée directement à cette réponse et j'ai pas été tendre. J'ai pas été tendre. J'ai pas été tendre parce que j'ai été piquée au vif, j'ai été mal dans ma peau. Quand on me dit ça, quand on te dit, toi, tu essayes de faire le bien, mais qu'en fait, tu ne le fais pas parce que tu as une chaîne de merde, parce que tu as du son de merde, parce que si, parce que ça pique au vif. Et en plus, qu'on m'accuse de choses que je n'ai pas fait, et ça, c'est le truc de fou, c'est que je ne sais pas mentir. Et donc, qu'on vienne m'attaquer sur quelque chose qui n'avait rien à voir, oui, ça m'a fait mal. Et j'ai répondu. J'ai répondu dans une vidéo, effectivement, qui dure, donc il y a un tag, et ensuite, pendant 20 minutes, j'explique que la personnalité qui me fait défaut, c'est que je suis empathique. Et moi, quand je sens les gens mal, je suis mal moi-même. Et du coup, bah voilà, j'explique cette chose virulente qui m'est tombée dessus, etc., etc., etc. Et pendant 20 minutes, effectivement, je, sans la nommer, je parle d'Audrey, tout simplement, dans cette vidéo de 20 minutes, en disant que bah, je ne comprends pas, elle fait des sourires devant, et puis qu'en fait, manifestement, elle se sent concernée par ce que j'ai dit, donc elle a dû faire des choses pas bien, et bah, ça l'a senti, elle s'est sentie visée par mon poste, qui était un poste général. Donc, suite à ça, ça c'était le 22 février, j'ai fait mon post comme quoi voilà, j'étais piquée au vif. Et après avoir fait tout ça, j'ai fait une vidéo. Alors après, je ne sais plus dans quel ordre ça s'est fait, mais je me suis fait lyncher, mais lyncher de chez lyncher, par Camille. Alors, je remets les textos dans l'ordre parce que franchement, j'ai été harcelée de textos, mais vraiment harcelée. Alors, je les remets dans l'ordre pour que tout soit clair pour vous, sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà. En fait, Camille, a priori, avait un hater. Donc, elle met un post sur Insta où la personne, alors j'arrive plus à voir parce que la personne lui disait des choses méchantes et Camille avait mis, oh mon petit hater d'amour est revenu, il m'avait manqué, mais il a effacé tous les messages, je suis tellement triste, reviens en MP s'il te plaît. Avec ton vrai compte pour que l'on ait l'honneur de voir tes merveilles, ma chérie. Voilà.
Et moi, de ce poste-là, donc parce que Camille ne faisait pas du tout partie de l'histoire au départ, moi, voilà, je m'étais expliquée avec Audrey, on avait essayé de s'expliquer par message, ça n'avait pas fonctionné, elle a tout enlevé, etc. J'ai fait ma vidéo, ma tatatatatatata. Et là, donc j'envoie un message à Camille en lui disant, oh là là, t'as un hater, elle me dit, elle me répond, alors je peux tout fournir, hein, s'il y a besoin, j'ai tous les textos. Moi, ça me fait rigoler. T'inquiète pas, c'est pas méchant. Celui-là est soft. Je suis une grosse vache qui sait pas colorier. Voilà. Je lui réponds, mais je suis tellement dépitée par la méchanceté. Moi, j'ai une chaîne de merde. Parce que forcément, je suis toujours sous le coup du texto de. Enfin, du texto, n'importe quoi. Du message d'Audrey. Et là, non, Virginie, arrête de tout mal prendre. T'as pas bien compris, c'est pas grave. Comme ta vidéo, tu t'es mal exprimée. Je les ai pris pour moi perso. Donc, encore une. Qui a pris des choses perso, alors que ça, donc ça après je l'ai compris, hein, qu'il fallait nommer les gens pour pas que tout le monde parte dans des hypothèses. Alors c'est difficile de nommer des gens quand vous faites quelque chose de général, parce que si vous faites une vidéo générale sur plein de points que vous réunissez, parce que des gens qui prennent mal des choses sur des lives, il n'y en a pas qu'une, ou alors bon bah si elles sont concernées, c'est qu'elle l'a fait, mais des gens qui disent des méchancetés à d'autres, il n'y en a pas qu'une. Voyez ce que je veux dire? Donc, c'est difficile. Mais bon, bref, manifestement, j'ai encore tort. J'ai juste dit à une personne ce que j'avais à dire. On s'entend bien. C'est pas ma meilleure amie, mais je comprends que tu défends. Alors, je ne vois pas encore ce que cette personne vient faire là, parce que ce n'était pas du tout elle la concernée. Mais bon, bref. Juste, apprends à mesurer tes propos et ton impulsivité à faire des vidéos sur le moment n'est pas une bonne idée, à mon avis. Donc, je lui réponds à ça. Donc là, on doit être, que je ne dise pas de bêtises, il doit être 15h30. Je réponds, si, si, j'ai très bien compris, mais merci pour le conseil. Voilà. Elle me met un cœur. Voilà. Elle me met un cœur. Donc ça, c'est 15h30. 17h, je pars du boulot. 17h30, je suis dans la voiture et je reçois. Donc, je n'ai rien compris. Hein. Il s'est passé 2 heures. Et là, je reçois. J'espère que tu as bien compris parce que la prochaine fois, je serai beaucoup moins diplomate. En tout cas, car c'est pas parce que tu es dépressif que tu dois déprimer les gens souriants. Sur ce, réfléchis avant de parler à ton âge, c'est grave. Donc, là, je suis choquée par ce message parce que c'est purement de la menace. Et de la méchanceté gratuite, hein, parce que c'est pas parce que tu es dépressive. Donc là, on me remet mon burn-out en exergue. Donc, je vais voir mon fils, qui est plus jeune, qui a une vingtaine d'années, et je lui dis, voilà ce qu'on m'envoie. Moi, je voudrais lui faire comprendre que je joue pas dans cette cour-là. Qu'est-ce que je peux dire sans être... Enfin, voilà, sans être vulgaire ou autre. Mon fils me dit, il y a une phrase en ce moment qui circule dans les réseaux et qui est pas mal en disant, je m'en fous de ce que tu m'as dit, en étant poli, c'est Palu, répète en silence. Donc, je dis, bon, ça prête pas à conséquence. Je lui mets, Palu, répète en silence. Et là, elle me répond, tu es sérieuse là? Donc, je lui dis, bah, c'est toi qui comprends plus maintenant, puisqu'elle m'avait dit que je comprenais rien, etc., etc. Elle me dit, oui, exactement. Je répéterai pas 2 fois, emmerde-moi ou mes copines, je te mange. T'as compris, là? Donc, là, je me dis, c'est terrible. Et donc, mon fils me dit, attends, on va lui mettre une image de Corléone, parce que là, avec ses phrases, elle se prend pour Corléone. Donc, il me met la tête du parrain. Elle me répond, tu me connais vraiment pas. Donc moi je lui dis, bah toi non plus, parce que c'est que du réseau social en fait. Donc d'où elle me dit qu'elle va me manger, c'est hyper violent sa phrase. Et elle me dit, oh que si, quelqu'un de faible qui tombe en dépression pour la moindre petite chose qui bouleverse sa vie, qui déforme la réalité et qui pleure. T'es une folle dépressive de 40 ans. Qui, au lieu de colorier des bites, devrait se les mettre là où je pense. Donc là, on part dans du lourd. Hein. On part dans du lourd.
Vous voyez, donc tout ce qu'elle veut dire, c'est que quand on fait un burn-out, quand on n'a pas réussi à se battre contre un patron féroce, un patron qui nous a fait du mal, un patron qui a exagéré pour la rentabilité, ben pour elle, on est des petites choses en fait. Elle sait pas en fait, elle connaît pas le monde du impitoyable du patron qui harcèle. Et en fait, elle se sert des blagues que j'ai fait sur mon mandala zizi pour m'insulter en fait. Donc je lui réponds, décidément, la répartie n'est pas donnée à tout le monde. Quand on ne sait plus quoi dire, on devient vulgaire. Parce que vraiment, honnêtement, là, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Et elle me répond, non, je suis vulgaire de base et je t'avais prévenu, ton message de je m'en fous, tu fais ce que tu veux, ben, surfait. Ce que tu as à faire, c'est la seule chose que tu sais faire d'ailleurs. Bon, là, j'ai pas tout compris parce que j'avoue que le français n'est pas à l'honneur sur les textos. Donc, non, je suis vulgaire de base et je t'avais prévenu. Ton message de je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Donc là, elle a enfin compris le palu répète en silence. C'est la seule chose que tu sais faire d'ailleurs. Je te rassure, t'as pas de répartie, ma chérie. Donc là, j'ai dit, on s'en va. Très loin, c'est plus possible. Ça part dans des proportions qui n'étaient pas celles voulues au départ. Donc, je me suis dit, là, c'est du n'importe quoi. Ça m'a attristée, ça m'a fait pleurer. J'ai hésité à porter plainte pour toutes ces menaces. Et plutôt que ça, j'ai plutôt fait une vidéo en me disant effectivement je tombe face à deux personnes complètement butées qui comprennent pas ce que je veux dire, qui comprennent pas pourquoi j'ai fait ma vidéo. Donc j'ai fait la vidéo en expliquant que je n'ai pas fait cette vidéo pour faire du mal, bien au contraire, et que donc je me suis réexpliquée une énième fois sur le pourquoi j'avais fait la vidéo. Mais cette énième fois n'a toujours pas fonctionner puisque par derrière j'ai entendu des choses me concernant, on m'a taclé de différentes choses, bref. Là, je peux plus rentrer dans les détails parce que c'est tellement fouillis, tellement... Enfin, on m'a tellement accusé de mots qui n'étaient pas les miens que, bon, à un moment donné, j'ai laissé tomber, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et puis un jour, on m'a dit, Virginie, tu devrais rediscuter avec Camille parce que ça fait du mal dans le colo. Il y a des choses qui se disent, il y a des abonnés qui jouent sur votre dispute, qui s'en amusent, qui jouent dessus. Donc il faudrait faire on va dire une table à trois où on parle. Donc là, et apporter des excuses. Donc les conversations ont commencé avec Camille. Donc ce qui est bien avec Camille, c'est que les excuses, elles sont géniales. C'est en fait, te plains pas, t'aurais pu avoir pire. La phrase au fameux chose que je dois me prendre où elle pense, c'était pas grand-chose et j'aurais pu avoir pire. Donc en gros, je devrais pas me plaindre. Dans cette conversation est revenu qu'effectivement elles étaient une bande de copines sur un Discord et puis que bah il y en a certaines qu'elles n'avaient pas envie de se joindre à elles, donc elles ont fait leur pack ou pack up en grade et leurs amis de leur Discord ont appris autant que les abonnés. Voilà. Donc c'est pour ça que tout a été mal pris quand j'ai parlé de clan parce qu'en fait elles faisaient tout simplement, elles ont créé un clan. Et bah, elles ne voulaient pas le reconnaître, en fait, que ce qu'elles ont fait, c'était malsain. Quand tu as envie de créer quelque chose, bien entendu, tu ne peux pas être 25 sur un truc, un projet, mais quand tu as des copines dans un Discord, soit tu n'as pas d'affinité avec elles, comme elles nous l'ont dit lors de la conversation, et dans ce cas-là, tu leur dis ouvertement en disant, bah, on a envie de créer un truc, mais voilà, honnêtement, on partage pas assez de choses intimes pour le faire avec vous, et tu expliques aux personnes, mais tu fais pas en scred et tu le sors pas comme ça du jour au lendemain sans en faire part à tes soi-disant colocopines de Discord. Bref, elles l'ont fait, c'est leur choix,
Elles l'assument pas puisqu'elles ne l'ont jamais avoué. Elles l'ont avoué que lors de cette conversation. En guise d'excuse, en gros, j'ai eu que j'avais rien compris, que si, que ça. Enfin, tout était de ma faute. Plusieurs fois, au niveau de la conversation, j'ai dit, bon, si c'est pour m'en prendre plein la tête, je préfère partir. Moi, c'était pas le but de mettre les choses au clair. À la suite de cette conversation, parce que ça a duré quand même une bonne partie de la soirée, il était convenu que si on se croise sur des lives, on se dise bonjour. Ok. Je suis arrivée à des lives plusieurs fois où bon, on m'a ignorée totalement, on m'a pas dit bonjour. Je m'en fous. Moi, c'est, je suis pas dans une cour de récré. Hein, j'ai 47 balais. Je suis pas là pour compter les points de qui, de quoi. Elles ont pas, elles ont décidé de pas me dire bonjour. C'était la base pour que les abonnés pensent que tout soit revenu dans l'ordre. Elles l'ont pas fait. Bon, quand bien même. Arrive le moment, donc là, où moi, j'avais tourné la page hein, bien avant cette discussion. Je passais à autre chose, j'ai créé des choses, ma chaîne a évolué, j'ai des gens qui me soutenaient, etc., etc., etc. Audrey et Camille étaient loin de mes pensées, je m'en fous royalement de ce qu'elles font. Je me fous de leur... de ce qu'elles peuvent créer, pas créer. Franchement, c'est pas mon but. Moi, je me suis créé une sphère avec des colocopines, des gens qui participent à mes challenges, qui voilà, qui m'amènent de la gentillesse. Donc, ça m'était passé, etc. Il y a eu cette discussion. Et dans cette discussion, on revient sur ma première vidéo. Et je m'explique pour la énième fois que cette vidéo n'était pas contre Audrey, loin de là, puisque je parlais de généralité, mais manifestement, ça fait 10 mois que j'essaye d'expliquer que cette vidéo ne lui était pas destinée. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment le prouver, je ne sais pas comment avoir une baguette magique pour faire comprendre à ces deux personnes que la première vidéo n'avait pas lieu. Et pendant cette discussion, on me rappelle, parce que je m'en souvenais même pas, que j'avais fait une deuxième vidéo le 22 février, où là, effectivement, ça dure 20 minutes. Et là, effectivement, je m'attaque à Audrey. Ça, je ne vais pas dire le contraire, puisque c'est en réponse à son message sous ma vidéo. Donc oui, toute cette vidéo de 20 minutes où je dis qu'une youtubeuse a été désagréable avec moi est adressée à Audrey, bien entendu, puisque c'est elle qui m'a mis, c'est le seul message sur les 47 ou 48 messages que j'ai eus qui a été désagréable. Donc bien entendu que cette vidéo est vraiment... contre elle. Et puis après, j'ai eu ces insanités de la part d'Audrey, de Camille. Les insanités. Mais comment on peut dire à quelqu'un qu'elle aille se prendre des dans le derrière? Comment c'est possible ça dans un monde de coloriage où on est là pour participer? Comment c'est possible? Pouvez-vous me dire comment quelque chose qui ne leur était pas adressé est arrivé à ce niveau-là de méchanceté, de vulgarité? Sans que personne, sans aucune de ses copines ne lui dise quoi que ce soit, sachant qu'en plus, elle l'a mis en pâture dans leur groupe, fière d'elle, d'avoir dit, voilà, je l'ai, j'ai pris la main sur elle, en fait, je l'ai bien taclée, la Virginie. Comment c'est possible que personne ne la retienne dans ces cas-là et qu'elle se permette d'être d'une vulgarité, d'une méchanceté, d'une violence comme ça? Mais dites, dans le monde de tous les jours, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. C'est pas en étant vulgaire, c'est pas en étant en menaçant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle habiterait pas loin de chez moi, elle serait venue me poignarder, elle serait venue m'en coller deux. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de bienveillance dans le colo. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette façon de faire? J'ai pas compris. J'ai fait une vidéo en expliquant parce qu'il a fallu que je m'explique et réexplique et réexplique et réexplique comme quoi c'était pas ça le but de ma première vidéo. Moi, je voulais pas faire de mal à personne, bien au contraire, je voulais faire du bien, je voulais remonter le moral des gens qui se sentent seuls, des gens qui ont comme moi un burn-out, parce que quoi qu'elle en pense, Camille, un burn-out, c'est pas facile. On n'est pas faible quand on fait un burn-out, justement, c'est qu'on a tenu longtemps avant de craquer. Et qu'on avait certainement des gens à protéger derrière nous. Parce que moi, si j'ai fait le burn-out, c'est que je n'ai jamais mis quiconque en pâture. Parce que moi, tout le monde voulait s'attaquer à mon équipe. Alors, c'était facile, hein? Moi, j'étais cadre. Donc, j'avais ma place assurée, si vous voulez.
Mais on voulait s'attaquer à mon équipe. Et moi, mon équipe, c'est des gens que je respecte. Ils travaillaient pour le SMIC. Ils venaient travailler pour pas grand-chose. Et pourquoi on les aurait virés? Bah non. Et ben moi, je me suis mis en première ligne. Et c'est moi qui en ai pâti. Et j'ai tout pris sur moi. Et à un moment donné, mon cerveau a plus répondu. C'est ça le burn-out. C'est pas quelqu'un de faible. Donc, elle peut penser ce qu'elle veut des gens qui font des burn-out. On est des personnes faibles. Et bah tant bien lui fasse. Mais voilà, donc ces violences-là, je les ai tues ou je les ai dit qu'à quelques personnes qui ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui se tramait et je n'ai jamais menti. Et quand on m'a demandé, je l'ai dit effectivement. Alors maintenant, on me reproche de la faire passer pour une méchante, mais c'est quoi ces textos, enfin ces messages Insta? C'est de la gentillesse, c'est de la bienveillance? C'est quelqu'un qui fait du colo pour apporter de la bienveillance? Mais non! Mais non, c'est quelqu'un. Pourquoi j'ai mis l'image de Corleone? Parce que c'est ça, c'est la mafia du colo. C'est ah bah elle dit quelque chose, mais même si ça la concerne pas, elle vient et elle veut menacer et me faire taire avec des menaces. Mais moi, c'est pas pour ça que je fais du coloriage, mais pas du tout. Enfin bref, ça date d'il y a 10 mois. Entre deux, il y a eu cette fameuse discussion à moitié excusée. La seule chose auquel je dois vraiment avouer, c'est que je ne me souvenais pas de ma vidéo où effectivement j'attaque Audrey et son message. Donc je suis allée voir Audrey et en toute sincérité, je l'ai appelée sur Insta. Je lui ai dit que je ne me souvenais pas de cette chose-là, que je l'avais très mal pris. Alors elle m'a expliqué que ce n'était pas comme ça qu'elle voulait le tourner, etc., etc. J'ai bien voulu entendre sa raison. Elle s'est excusée, je me suis excusée. Bon, voilà, ça en restait là. On a dit qu'on serait jamais amis, mais que voilà, on restait chacun de notre côté et chacun coloriait dans la bienveillance, ce que je pensais. Et puis vient un jour un live de quelqu'un, donc pareil, je ne dirai pas le nom parce que bah, déjà Audrey ne l'a pas dit, donc je vois pas pourquoi moi je la mettrais en pâture cette personne. Et un jour en live, on parle de Pierre et on parle de l'œil du tigre qui éloigne les gens méchants. Et dans la conversation, je dis, ah, bah, dis donc, l'œil du tigre, si vraiment ça éloigne les gens méchants, à une époque, j'en aurais eu besoin pour ma patron et pour mes soucis sur YouTube. Et là, hop, ça enchaîne. Ah bon, t'as eu des soucis sur YouTube, machin. Je dis, non, mais ça s'est arrangé après une discussion. Et Audrey intervient dans la conversation en disant, oui, bien, Jean, ça s'est arrangé avec une discussion. Donc, vous vous doutez bien que quand tu arrives, tu n'es pas dans le live, mais tu arrives juste pour dire ça, la personne qui a fait le live m'a demandé. Mais il s'est passé quelque chose avec Audrey. Et cette personne ayant eu un truc avec une youtubeuse aussi autre qu'Audrey, pareil, je ne nommerai pas parce que ça les regarde elle, ben elle me dit, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Donc je lui ai dit, oui, mais nous avons eu une discussion, etc., etc., etc. Et cette personne-là m'a dit, mais moi, je ne veux pas avoir de problème, moi, ces personnes-là, j'ai pas envie, je pense que je vais les bloquer. Je lui ai dit, mais ça sert à rien, enfin, en plus, ça va me retomber encore sur le nez, parce que voilà, je t'ai pas dit ça pour ça, tu me poses la question, je te réponds ce qui s'est passé, mais voilà. Cette personne a décidé de la bloquer, et nous voilà arrivés à ce qui s'est passé pendant mon hospitalisation. Elle a été bloquée, moi, je n'y suis pour rien. Au moment où ça s'est passé, les tout premiers messages, il y a plein de gens qui m'avaient demandé, avant qu'il y ait une autre discussion, etc., etc., et je n'ai jamais demandé à qui que ce soit, ni d'aller sur les lives d'Audrey, ni de ne pas regarder les vidéos de Camille, ni ci, ni ça, ni ça, je n'ai jamais rien dit. C'est pas parce que toi, tu t'entends pas avec une personne que d'autres ne peuvent pas s'entendre. Enfin, je veux dire, on est où là? Moi, je suis pas dans la mafia, hein. Moi, je ne suis ni un gourou, ni un mafioso. Je ne demande à personne de faire quoi que ce soit en dehors de ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, c'est tout. Moi, je suis vrai. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire tout est beau dans le monde du colo. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà, il y a eu ça. Et là, ça m'est tombé dessus. Donc j'étais à l'hôpital. Et là, le déferlement de messages, Virginie, 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 t'as pas vu. Il y a un Insta qui circule. Audrey t'en met plein la tête. Alors, effectivement, elle se fait bloquer par quelqu'un en live. Mais forcément, c'est moi. Hein. Donc, j'ai été mis au pilori pendant je ne sais combien de temps de cette vidéo. Alors, moi, comme
J'avais débloqué Audrey et Camille juste pour le temps de la discussion, mais j'avais aucune intention de. Voilà, c'était. On se rencontrait dans des lives, le live se passait bien, point barre. J'avais pas. Enfin, moi, j'avais pas envie de. Enfin, j'ai jamais été amie avec elles, j'étais juste. Je suivais leur compte. C'est pas des personnes que j'étais amie. Je mettais des messages bienveillants, comme je le fais pour plein d'autres personnes quand quelqu'un est pas bien. Parce que j'aime pas les gens pas bien, mais j'ai jamais non plus, ne serait-ce que imaginer l'idée un jour de les rencontrer, comme d'autres, j'imagine. Donc, juste après, je les avais rebloqués parce que c'était pas. Mais a priori, ça a vexé. Oh mon Dieu, je les ai bloqués sur Insta, mais moi, j'ai pas envie d'avoir plus de relations que ça. Enfin, j'ai beau, beau y avoir eu des. Excuses entre guillemets, mais comment on peut excuser? Comment on peut pardonner? J'ai dit ok, c'est bon, je te les prends tes excuses, mais les excuses du type, tu sais, en gros, te plains pas, j'aurais pu te dire pire. Bah, moi, pour moi, c'est pas des excuses, mais bon, bref, elle pour elle, à sa façon, dans son milieu, dans son c'est des excuses, pas bah, tant mieux pour elle, pas pour moi. Bref, mais j'ai autre chose à penser, j'ai d'autres soucis que ça dans la vie. J'ai eu une année 2022 extrêmement difficile. Mes abonnés le savent. Ça a été très très compliqué. J'ai jamais rien caché. J'ai eu des périodes difficiles personnellement. Ensuite, j'ai eu une période de deuil et ensuite j'ai eu ma maladie qui a pris le dessus. Donc franchement, l'état d'âme de Camille. Sur oh mon Dieu, si elle en parle, on va perdre des abonnés parce qu'elle me fait passer pour une méchante. J'en ai rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à foutre. D'accord? J'ai pas. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. On a essayé de me faire passer pour quelqu'un qui n'était pas moi. Et donc ça, je peux pas l'accepter. Et quand elles m'ont attaqué directement sur ce fameux live juste avant l'Insta. Parce que bah, quand elles ont vu qu'elles étaient bloquées, bien entendu, c'est sur moi que c'est retombé en plein live. La personne qui menait le live a peut-être pas été dans la douceur, c'est-à-dire qu'au lieu de les prendre en privé, elle aurait peut-être dû les prendre en privé et leur expliquer pourquoi elle les avait bloquées. Ça n'a pas été fait, mais en même temps, tout s'est fait vite sur ce live. Je vais pas parler pour cette personne-là parce que moi, ça ne me concerne pas. Je ne sais pas pourquoi elle l'a fait comme ça. Oui, effectivement, elle a été très virulente contre Camille en plein live. Je pense que oui, ça doit faire du mal quand on se fait un peu lyncher comme ça en live. Mais c'est pas moi. Sauf que pendant le live, c'est à moi qu'elle s'attaquait, Camille. Et plusieurs abonnés ont dit Camille, laisse Virginie tranquille, etc. Elle est hospitalisée, mais elle n'en avait rien à faire. Elle n'en avait rien à faire. Alors, pourquoi elle n'en avait rien à faire? Parce que, vous comprenez, Audrey était hospitalisée aussi il y a donc 10 mois, ce qu'elle a dit d'ailleurs dans son Insta. Sauf que, à quel moment, moi, je le sais, ça, qu'elle est hospitalisée il y a 10 mois. Et en plus, ma première vidéo ne la concernait même pas. Donc, franchement, vous croyez vraiment que me connaissant, vraiment, j'aurais fait quelque chose à quelqu'un qui était hospitalisé? Jamais de la vie. Alors déjà, en plus, un, ça ne la concernait pas. Et le deuxième message, si en privé elle m'avait dit Virginie, je l'ai pris pour moi, etc., etc., et je lui aurais expliqué en privé que ce n'était pas pour elle, et elle m'a dit en plus je suis dans une période où je suis à l'hôpital sans me raconter le pourquoi du comment, mais jamais au grand jamais je n'aurais fait une vidéo où j'expliquais que j'avais été malmenée par une youtubeuse, bien entendu, enfin, c'est pas mon truc, j'ai jamais enfoncé qui que ce soit, et je peux vous dire, pourtant, mon patron. Il m'a fait un mal de chien. Je suis encore en prud'homme contre lui, mais je lui ai jamais souhaité plus de mal parce que ça n'en vaut pas la peine. Je ne vais pas me salir les mains à vouloir du mal à des gens qui n'en valent pas la peine, vraiment. Donc voilà. Donc j'en suis arrivée là. J'étais à l'hôpital. Je m'en suis pris plein la tête. J'ai été clouée au pilori sur Instagram. On s'est attaqué à moi sans aucune raison. Et quand une des abonnées est allée voir Camille en lui disant c'est vraiment pas bien ce que vous avez fait hier, la réponse de Camille, parce que bon, j'ai le screenshot aussi hein, de Camille qui me cloue aussi au pilori sur sa chaîne à elle, a été la suivante. Je ne m'arrêterai pas contre Virginie. Donc c'est quoi la prochaine étape?
peut m'expliquer. Elle va venir jusqu'en Normandie, elle va venir me frapper, elle va faire quoi? Je voudrais bien savoir parce qu'après les messages que j'ai eus, aller au-delà, c'est venir me casser la gueule. Enfin, je sais pas, je vous pose la question, vous les abonnés. Donc voilà, j'avais besoin de remettre l'église au milieu du village parce que j'en ai un peu marre que ça fait 10 mois que je passe pour la sorcière de service, qui les fait passer pour ce qu'elles sont pas. Donc là, au moins, vous avez tous les écrits, vous savez de qui il s'agit, vous savez que ces personnes-là ont aucune pitié. Et je pense que à force de dire que je suis méchante, va peut-être falloir se regarder d'abord le nombril et voir ce que l'on fait. Voilà. Je voulais que la vidéo soit claire. J'espère qu'elle l'était parce que l'Instagram d'Audrey qu'on m'a envoyé, puisque comme elle est bloquée, moi je n'ai pas l'Insta, mais on me l'a envoyé parce que j'ai des gens bienveillants qui m'ont dit tu as le droit de savoir ce qui est dit sur toi. Et je pense que tout accusé a le droit de sa défense. Donc voilà ma défense. Moi, il n'y a rien de caché. Je n'ai rien enlevé. Donc si vous voulez voir les vidéos concernées, il y en a une du 17. Une du 22 et une du 27. Voilà. Dans celle du 27, je disais à l'époque, 27 février, hein, je parle de février, pardon, de l'année dernière. Parce que oui, bien sûr, hein, dans Insta, on me parle d'une histoire qui date d'il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais non, 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 il y a 10 mois. Il y a 10 mois de tout ça. Donc ça fait 10 mois que je vis avec ça. Ça fait 10 mois que à chaque fois que je parle de quelque chose, mais même si ça n'a rien à voir, puisqu'il y a eu aussi une fois un live sur, je vais la nommer parce qu'il n'y a rien de mal, Easy Color, on parlait un jour sur un live de la psychologie sur les réseaux sociaux. Et elle avait envie de faire un live, nous demander notre avis. Sur la psychologie en réseaux sociaux, est-ce qu'on ferait un live là-dessus? Et bah effectivement, je lui disais oui, ça serait très bien parce que ça ferait comprendre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur les personnes qui sont pas bonnes. Voilà, parce que faut pas se leurrer. Vous avez bien vu ces dernières semaines le nombre de vidéos drama qu'il y a eu. Donc les réseaux sociaux, c'est pas forcément tout rose, tout beau, le colo, la la la, on est là pour faire de la thérapie, de la bienveillance. Eh bien non, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté. Et du coup, effectivement, j'avais dit à Izzy, mais c'est une très bonne idée, machin et tout. Je sais plus, elle pose la question, est-ce qu'il y a déjà eu des confrontations avec sur YouTube? Et moi, je lui ai dit oui. Et d'autres abonnés disent oui, et souvent ce sont des personnes qui ont des grosses chaînes ou qui se la pètent, etc., etc. Et boum, meurt la mie dedans. Ça y est, on est revenu à la charge en me disant oui, elle parle de nous sur les réseaux. Mais merde, non, non, vous n'êtes pas que deux sur les réseaux, vous n'êtes pas que deux. Et si on veut faire une vidéo parlant de la méchanceté sur les réseaux, on voit bien qu'on a énormément d'exemples ces dernières semaines et mois qui peuvent, si on fait un live en essayant de mettre des choses meilleures dans les réseaux, il y a du choix dans tout ce qu'il y a eu ces derniers temps. Donc arrêtez de venir contre moi en me disant, elle parle de nous à chaque fois. Non, 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 vous n'êtes pas mon centre du monde, vous n'êtes pas le centre de ma vie, je ne parle pas de vous à chaque fois. Il y a des choses, j'ai 47 ans, j'ai vécu des choses. Dans la vie de tous les jours, j'ai vécu des choses sur YouTube. Alors, c'est sûr, j'ai jamais eu de problème avec personne sur YouTube, sauf avec vous. Bon, mais je parle beaucoup avec des gens qui ont eu des problèmes avec d'autres personnes sur YouTube. Donc, enfin, voilà, j'ai encore le droit. On est en France et le droit de parole existe, d'accord? Donc, si j'ai envie de m'exprimer sur quelque chose, j'ai encore le droit. Je pense que il y a eu cette fameuse phrase je suis Charlie, mais je suis Charlie, mais pas dans le colo. On n'est pas Charlie dans le colo, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. On n'a pas le droit comment on appelle ça? L'expression est fermée sur le colo. On n'a pas le droit. C'est ça? Bon. Mais écoutez, voilà. En tout cas, je suis vraiment désolée. C'est une vidéo qui est longue, mais c'est une vidéo qui avait. Qui était obligatoire. Elle était obligatoire parce que ça fait 10 mois que je me pourris la vie, parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est contre moi.
C'est forcément moi qui ai fait la merde. C'est forcément moi qui fait des choses dans le dos des autres. C'est forcément moi qui... Peut-être que vous me voyez comme la peste, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, la vérité, elle est sortie. Maintenant, moi, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Je n'ai rien fait de mal. Ma première vidéo ne concernait pas Audrey. Ça fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois que je le répète, mais manifestement, ces deux personnes sont butées. Elles ne veulent pas comprendre que cette première vidéo ne l'était pas. La seconde l'était totalement. Parce que, ouais, on va me dire, oui, un coup a dit oui, un coup a dit non. Mais forcément, je ne parle pas des mêmes vidéos. Donc, oui, si on me pose la question pour la première, non, Audrey n'était pas concernée. Si on me pose la question sur la deuxième, oui, puisque c'était en rapport avec le message qu'elle m'avait laissé. D'accord? Et la troisième vidéo, c'était pour aplanir le tout en disant que moi, je n'avais pas fait ces vidéos pour faire du mal aux gens au départ. C'était pour faire du bien. Et personne n'a compris ça. Et du coup, je l'avais fait pour rétablir. Mais manifestement, ça n'a rien éteint. Et du coup, ça fait 10 mois qu'on me pourrit la vie. Donc là, j'espère que ça se terminera aujourd'hui. M'excuse auprès de ma communauté qui ne voulait pas voir ce genre de vidéo. Vous allez me dire, c'est un peu facile de s'excuser alors qu'elle le fait, mais j'avais pas le choix. Malheureusement, j'avais pas le choix. Donc, j'espère que ce sera l'unique vidéo de ce style, la dernière vidéo de ce style, mais au moins, ma vérité est rétablie. J'ai des écrits, donc je ne peux pas inventer ce genre de choses. Je n'ai pas montré à l'écran, mais je ne vais pas vous montrer tous les écrits à l'écran, mais je ne peux pas inventer les noms, d'accord? Voilà, Camille Coloriage et le logo, parce qu'on ne le voit pas bien, mais le logo, c'est bien Audrey Mode. Voilà, donc les deux personnes sont nommées, vous savez tout ce qui s'est passé. Je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore désolée pour ceux qui n'aiment pas ce genre de choses, mais j'étais obligée de me défendre. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de blagues, de gaffes et d'amusement. Bisous, bisous, bisous!